Bon matin tout le monde! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le Vlogtube numéro je ne sais pas combien. Donc ce matin, je bois un jus de raisin et citron de l'entreprise que je vous parle. J'en achète juste une fois par mois, là, juste pour vous donner une idée. Là, souvent une fois par 3 semaines à 1 mois. C'est comme une petite cure de jus que je me fais, même si c'est super bon d'en prendre à chaque jour. Ouh, la peau est belle aujourd'hui! Je viens de prendre des photos pour justement m'avancer parce que ce soir, c'est ça, je dois prendre 5 photos. Fait que là, je viens d'en faire une. Fait que check! Parce qu'il faut que ça soit en ligne pour demain, quand vous allez voir ça plus tard. Fait que là, je veux pas vous... Ben, ça sert à rien que je vous le montre parce que je vais me sécher les cheveux. Puis je pense que vous êtes tanné de me voir sécher mes cheveux. Genre, vous avez compris comment je me sèche les cheveux, là. On peut passer à un autre appel. Fait que je vous parle quand... Je parlerai pas quelque chose de redondant. 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 Oui. Bon, je viens de faire couler mon café dans une autre tasse Starbucks, mais qui j'ai acheté au Starbucks il y a longtemps. Fait que là, je voulais vous montrer. De temps en temps, je fais ça. Fait que je mets mon chai latte à l'intérieur de mon café. Fait que c'est une petite quantité quand même qu'il faut mettre, là, parce que ça goûte quand même super fort. Puis moi aussi, ben, je fais un latte. Fait que. Mais c'est une autre façon de faire un chai latte, tout simplement. Donc, tout est chez... En tout cas, petit chandail basic de l'aubainerie qui en a tout le temps, là, si jamais ça vous tente, là, comme tout le temps des basics chez l'aubainerie. C'est vraiment là que je prends mes chandails noirs et blancs et gris. Plein. Sinon, ça, c'est une vieille jupe de chez Dynamite, mais il y en a tout le temps là, des modèles Vichy, donc je viens juste d'en acheter une justement chez l'aubainerie il y a un mois qui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Puis ça, c'est des collants. Je pense que je les ai pris chez carrément. Dollarama. Dollarama. Fait que sur ce, je pense qu'on va se parler juste ce soir, à moins que je vous parle durant la journée à la job. Je penserais pas. Sinon, on se parle ce soir. Bon, il est midi. Je suis pas sur mon heure de lunch. Je suis juste allée faire une commission pour Post Canada. En fait, il fallait qu'on aille porter un. J'ai été porter un chèque qu'il faut que ça aille le plus vite possible à une banque pour payer le solde de l'autre prêt de véhicule d'un client. Qui, ben, dans le fond, on a racheté. Puis lui, ben, il a racheté un autre véhicule. Puis j'en ai profité, of course, pour faire 2 magasinages. Fait que j'ai racheté un de mes. Je l'ai vraiment aimé. Fait que je l'ai racheté. C'est la brume Hello Good Stuff au extrait de melon de essence. Fait qu'il est vraiment pas cher. C'est comme 5,39 pour ça. Puis ça me durait. Ben, ça me dure 1 mois parce que j'en mets comme. C'est une petite bouteille. Puis ça se prête beaucoup. Puis moi, je pensais que ce produit-là m'avait coûté 12$, puis finalement, il m'a coûté 6$. Fait que j'étais bien impressionnée. Je voulais une brune, parce que, surtout moi, personnellement, si je mets mon fond de teint en poudre ou si je me mets du cache-cerne, ça crease, puis genre, c'est dégueulasse ma peau. Fait que il faut absolument que je mette ça. Fait que j'ai pris celui de Elf, qui était 6$. Oh, ben, il était marqué 12, mais c'était 6. Fait que je trouve que c'est vraiment un... Bon qualité prix pour surtout Elf. Moi, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que là, on retourne travailler. Finalement, ce soir, j'ai une. Mon Dieu, le char. J'ai un souper avec mes girls. Ils vont venir chez nous. Il faut que je fasse quand même mon concours pour demain matin. Fait que, ben, quand même, ils sont capables de prendre un verre à côté pendant que je prends des photos puis que je mets le contenu en ligne. Il n'y a pas de trouble avec ça. Qu'on se reparle tantôt, là. Je sais pas, on est en train de discuter de qu'est-ce qu'on a le goût de manger, mais ça risque d'être juste comme. On va commander de la bouffe. Ça va finir, là. C'est la première fois que j'allume ma bougie. Fait que vous allez être témoin de la première fois que je la fais brûler. Avec mon allume-feu que j'ai. En fait, il est électronique, là, il est rechargeable. Puis je l'ai pris sur Amazon si jamais il y a du monde que ça leur intéresse. Ah! Je pense que ça va être bon pour ma soirée de girls. Le monde va aimer ça. Petite odeur subtile. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Puis
Puis checker ma plante, là, elle a fait une nouvelle feuille complète. Elle est immense. Je suis vraiment fière d'elle. Puis là, j'en vois une autre ici, puis une autre ici. Il y en a trois autres feuilles qui s'en viennent. Tranquillement, pas vite. Coudon, je suis bien rouge. J'essaie de... J'ai comme couru pour essayer de faire... Je pense que j'ai juste chaud. Je pense balayer. J'ai lavé un peu les électroménagers parce que je trouvais qu'ils étaient vraiment sales. Puis je viens de prendre encore 3 photos. Fait que là, je suis rendue à 4 sur 5 de prise pour mon concours de demain. Fait qu'il va en rester juste une affaire. Puis je pense que ça va être genre. Faut juste. C'est elle qui contient le plus de bébelles. Fait que faut juste trouver un gros endroit pour prendre ma photo. Puis là, je viens de recevoir un colis. Une petite enveloppe de. Je vous explique la situation. Dans le fond, j'ai rencontré cette fille-là sur Instagram. Cette personne, cette fille-là, sur Instagram, grâce à son voyage à Banff. Elle a été à Banff, je pense, une semaine, presque en même temps que moi ou une semaine après moi. C'est comme ça que je l'ai découvert. Puis, elle est représentante Mona. Donc, Mona, c'est l'entreprise. C'est une entreprise, en fait, de... C'est comme un peu Tupperware, mais pour les produits pour les cheveux. Fait que moi... Je vous avouerai que j'aime mieux faire ma propre avis avant de croire tout le monde sur qu'est-ce qu'ils disent sur Mona. En fait, j'entends vraiment que des bons commentaires. Mais je vous avouerai que peut-être parce que justement, je suis les personnes qui aiment cette entreprise-là. Je n'ai jamais essayé. Je connais personnellement aucune personne qui l'a essayé. Fait que je me suis dit, pourquoi pas faire mon propre avis. Fait que là, Amélie Martin, qui est de son nom, m'a proposé en fait de m'envoyer des échantillons gratuits, donc pour que je puisse faire mon avis et tout. Fait que je me suis dit pourquoi pas parler d'elle. Donc si ça vous intéresse, si vous êtes à la recherche d'une, vous aimeriez commencer et voir si vous aimeriez les produits Mona. Je vais juste voir si elle m'avait écrit un nom, non? Je pense que non. Ok, parfait. Mettre ça dans la recyclage. Donc elle m'a envoyé au début un petit sondage pour savoir comment ils mettaient mes cheveux et tout et tout. Je lui ai dit exactement quel produit je mettais en ce moment et comment étaient mes cheveux. Fait que grâce à Kérastase, mes cheveux sont extrêmement même en santé. Genre vraiment beaucoup, beaucoup trop en santé, je trouve. Mais c'est vraiment nice. Mais je me suis dit pourquoi pas essayer Mona parce que j'entends que des bons commentaires. Fait que là, selon ce que j'ai envoyé, elle me fait une routine capillaire. Fait que on commence. Fait que ici, j'ai un échantillon pour... Un shampoing volume boosté. Oui, parce que je disais que comme Kérastase, ça me faisait pas du volume dans mes cheveux. Parce que je sais que de un, j'ai pas le shampoing voluminisant. Fait que c'est ma faute. Là, au prix que ça coûte, je peux pas avoir tous les shampoings de Kérastase. Fait que ouais, fait qu'elle m'a envoyé le shampoing voluminisant. Et ici, j'ai un après shampoing restaurateur sans rinçage. Donc j'ai cet échantillon-là aussi. Elle m'a envoyé un Mona Black. Hein? C'est bien nice ça. Fait que c'est un shampoing plus revitalisant. Fait qu'il y a un petit 2 en 1. Et ici, j'ai un après shampoing réparateur intense. Comme ça. Et pour dernier, j'ai un réparateur de pointe fourchue. Oh, c'est un petit échantillon comme ça. Fait que justement, en fin de semaine, vu qu'on s'en va en getaway avec moi, puis ben Will et moi, fait que je vais les apporter. Fait que comme ça, je trouve que c'est cool, justement, vu qu'on s'en va en hôtel. Puis des fois, les shampoings, c'est... Ben, j'aime mieux apporter mes shampoings, mais j'ai pas de mini shampoing pour Kérastase. Fait que je suis tout le temps obligée d'amener mes gros pots. Fait que là, pour une fois, je vais essayer, en fait, toute la collection de... Ben, en fait, un shampoing, puis un après, puis un revitalisant. Je vais les essayer, je les ai lavés aujourd'hui, fait que sûrement dimanche ou lundi matin, je vais me laver les cheveux, puis je vais essayer la collection de Mona. Fait que je vais faire remercier beaucoup Amélie de m'avoir envoyé les échantillons pour que je fasse mon propre avis et tout et tout. Fait que je vous les mets son Instagram dans la bio si ça vous intéresse, si vous allez à la recherche d'une personne qui vend du Mona, une représentante Mona, ou si... Si vous... Peut-être qu'il lui reste encore des échantillons gratuits comme ça. Donc, c'est peut-être ça. C'est tout ça que je voulais vous parler. Fait que là, j'attends... Je vais me préparer pour faire ma 5e photo pour mon concours. Et puis, c'est ça. Puis, j'attends mes amis d'une minute à l'autre. Là. Je sais pas... Ils m'ont dit comment... J'ai dit arriver à partir de 5h, mais ils ont dit comment 5 et 6. Fait que c'est pas très clair. Fait que... Restez quand même habillé de même, justement, que je sache qu'est-ce qu'on fait.
Puis là, je pense que c'est ça, je vais venir faire mon petit setup ici sur ma causeuse. Causeuse. C'est pas une causeuse, c'est une maquilleuse, mon Dieu. J'en déparle. Fait que je m'en vais faire ça. Bon, finalement, je suis une mauvaise hôtesse. J'ai absolument rien à manger. Je sais que les filles, on avait parlé de se commander quelque chose, mais j'étais comme, ah, oh, je vais faire un petit quelque chose, mais j'en sais absolument rien comme pour recevoir. J'ai juste des affaires comme super normales. Ouh, ça y a plus de batterie, lui. Bon, fait que, ouais, je m'en allais m'installer pour, en fait, planifier la vidéo de demain. Puis, en même temps, checker pour comme commencer au moins le montage de celui-là parce que mes amis, ils n'y arrivent pas avant une demi-heure. Fait que j'ai un peu de temps. Puis aussi commencer, ben c'est ça, la publication Instagram pour demain. Ben, du stock à faire. Fait que, on va commencer un pas à la fois. Bon, qu'est-ce que vous voulez manger comme dessert? Même si c'est inégal, on s'en fout, tu vas la brûler. Ça a l'air que c'est bon, mais moi j'aime pas ça. C'est quoi? T'aimes pas ça? Mais j'aime ça, mais à moitié, genre. C'est quoi? Ça, c'est vraiment bon. C'est quoi? Mais ça passe là vraiment vite, hein? Pour vrai? Ben oui. Oh shit. On va les manger. Bon, on se retrouve un petit peu plus tard. Je vais vous montrer ma routine de soir, vu que l'autre fois, je vous ai montré ma routine du matin. Ben, niveau maquillage. Elle se ressemble vraiment beaucoup parce que... Ah, j'ai oublié mes produits l'autre fois dans ma sacoche survie. Bon, on va enlever de la brume que j'ai acheté tantôt de son emballage. Bon, tout défait. Ça ressemble à ça, la petite bouteille Elf. Comme ça. Pour le prix, là, c'était 6$, ça vaut la peine, je trouve. Comme c'est correct comme prix. Fait que là, ouais, fait que je commence toujours par me brosser les cheveux. Je laisse toujours mes bijoux dans mon cou. Et là, je sais qu'il y a plein de monde qui m'ont dit que c'était pas bon, mais je le fais à moitié du temps. Là, c'est juste que là, ça me tente pas d'aller me démaquiller dans le lavabo. Mais sinon, je prends de l'eau micellaire, fait que j'en ai deux préférés. J'ai celui de Chlorane, fait qu'au bleuet, ou j'ai celui, le fameux Bioderma, puis moi je prends le vert pour mon type de peau. Là, ce soir, je vais prendre le bleu, le Chlorane. Fait que oui, je sais 100% que ce n'est pas bon de juste se démaquiller à l'eau micellaire. Faudrait techniquement aller enlever le produit après. Et regardez, chacun fait ce qu'il veut. Moi, ça va bien comme ça. Fait que je vous avouerai que je n'ai pas été voir une spécialiste en esthétique pour me dire de faire ça. Mais ça va bien. Fait qu'on va commencer par tranquillement appuyer pour aller délicatement. Finalement, mon nouveau, je l'aime quand même beaucoup, là, ce nouveau mascara-là. C'est sûr que ça, il est un petit peu plus long à build-up, là, donc à former. Bon, on y va tranquillement avec les yeux. Puis souvent, ça prend deux fois là, pour vraiment tout enlever. Bon. Là, il est toujours le moment où que je me mouche. Je sais pas pourquoi, mais comme selon comment mon nez est fait, faut tout le temps que je me mouche. Comme, bon, j'ai comme un petit nez de boxeur, là. Je me mouche au moins deux fois, une fois le matin, puis une fois le soir, puis des fois une fois dans la journée. Je vais venir appliquer justement mon petit produit que j'ai acheté aujourd'hui à 5$ de essence. Pour faire ma prix. Fait que c'est comme une petite brune. Moi, je trouve que ça fait vraiment du bien. C'est super rafraîchissant. Puis ça sent bon, puis tout. Fait que souvent, je vais la laisser comme juste agir 2 secondes, là, comme pour qu'elle rentre dans ma peau. Et après ça, je vais venir. J'ai la même crème de nuit et de jour. Fait que c'est la Marcelle, tout simplement. Là. Pour l'instant, j'ai pas encore acheté de crème de nuit. Ça devrait venir. C'est juste que dans le changement de saison, ma peau. C'est un peu rough, là. Mais oui, je suis la première à habituellement avoir une crème de jour et une crème de nuit. Là, je vous avouerai que ma peau va super bien, fait que je veux pas trop la stresser avec le changement de saison. Mais oui, définitivement, dès que l'hiver va arriver, il va falloir que je vais
Surtout au niveau de mes bords de nez, il faut que j'aille une crème super riche. Bon, puis dernier petit produit, c'est un baume à lèvres. Fait que je vais vous montrer mes deux favoris. En fait, c'est de la même entreprise. Fait que c'est des Bite Beauty. Excusez-moi. Pardon. Fait que c'est des marques à la gare. Fait que j'en ai un en format comme ça. Puis j'en ai un en format comme ça. Que je déteste mettre mon doigt dedans. Fait que souvent, j'essaie de dip mes lèvres. J'essaie de faire un canard, là. Parce que moi, la pire affaire, c'est de mettre mes doigts dans un pot pour mettre sur mes lèvres, genre, puis après ça, je pourrais l'absorber, comme. Que sur ma peau, ça me dérange pas de mettre mes doigts, mais pas sur mes lèvres, comme. Fait que c'est pour ça que j'aime bien ce petit format-là. Puis j'aime pas trop ce format-là. Fait que voilà, ma petite routine du soir. Fait que sur ce, je sais pas, ça, je pense que ça a été un court vlog, mais ça a été ça ma soirée, ça s'est pas bien été avec mes friends. Je leur ai demandé aux filles, j'étais comme, est-ce que ça vous dérange que je vous filme? Puis ils étaient comme, ben non, mi, gars, tu y vas selon ton vibe. Puis tu sais, sincèrement, ce soir, je vous avouerais que c'est moi qui voulais pas filmer. Parce que tu sais, on parlait vraiment de nos vies, puis je trouvais que c'était pas pertinent de vous dire, comme, qui a des problèmes ou qui a des projets ou whatever. Comme, tout ce que vous avez à savoir, vous le savez de moi. Je sais pas, il y a des fois que j'ai goût de, comme, garder mes girls ou genre vraiment pour moi. Si jamais vous voulez voir comme moi en action avec mes amis, ben j'ai un vlog de Saint-Tite, puis j'ai un vlog de Maison Lavande. Fait que vous pouvez retrouver mes amis là. Mais ouais, pas plus que ça. Là. Pour l'instant, ce soir, c'était vraiment mes amis, puis ça a super bien été. On s'est commandé, eux, ils ont commandé de la pizza hawaïenne. Il y a un peu goût de ça. Fait que moi, j'ai commandé un pita au poulet avec des frites. Comme classique, classique. Puis j'ai bu des gin 7-Up. Parce que je suis plus capable de boire des petites canettes, ça me fait vomir, ça me fait faire des reflux gastriques. Vraiment, je suis rendue trop vieille pour boire des affaires sucrées. Faut vraiment que je bois ça comme des White Claw ou vraiment un rum and coke ou mettons un rum and coke diète ou un gin tonic, pas un gin tonic, un gin 7-Up puis 7-Up diète. Comme faut vraiment que je sois plus comme dans le moins sucré possible ou sinon carrément de la bière. Je suis rendue là dans la vie. Que sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Puis j'ai oublié de filmer la réaction de mes amis, mais quand ils ont découvert ma chandelle, je l'ai faite brûler toute la soirée, puis on dit qu'elle sentait divinement bonne. Ils ont vraiment le goût de l'acheter eux-mêmes. Ça, c'est comme... Mais ouais, fait que ils ont approval, ils ont mis le check approve sur ma chandelle, ils ont dit que c'était une des meilleures. Et ils ont vraiment aimé les trois chandelles que j'ai achetées de Bougie en Harmonie. Ils ont trouvé que Agrume d'automne, c'était moins leur vibe. Parce que ça sentait comme le net, genre. Mais genre, on l'aime tous, mais c'est comme la troisième. Ils trouvaient aussi que Pumpkin Spice sentait excessivement bonne, mais c'était trop. Fait que c'est pour ça que ma chandelle à moi remporte haut la main dans une maison. Comme je vous expliquais, c'est vraiment une odeur subtile que tout le monde va apprécier. Fait que tu sais, je l'ai fait brûler toute la soirée, puis c'est vraiment, ça a donné une belle odeur. Parce que, mettons, je pense que si j'aurais brûlé Pumpkin Spice, qui était trop sucré, je pense que ça aurait peut-être comme été moins là. Mais mettons, je ferais une journée ménage, ben je ferais brûler Agrumes d'automne. Parce que ça serait vraiment comme, ça fitterait. Mais pour l'instant, je pense que je vais faire brûler ma chandelle tout le long. Parce que ça sent ben trop bon, puis vraiment, c'est ça, les filles l'ont approuvé, puis je suis vraiment heureuse. Fait que sur ce, passez une belle soirée, puis nous, ben, on se voit demain. Je vous avouerai que, ben, c'est ça, là, vous êtes comme je pense que je vais poster cette vidéo-là mardi matin. Fait que vous avez vu en fin de semaine comme des vlogs, des vidéos bonus que je vous ai publiées, parce que je voulais profiter vraiment à Quill de pas faire de montage en fin de semaine, vu qu'il me fait une surprise pour Rimouski. Mais ça s'en vient. C'est comme demain, ça va être un vlog à Rimouski. Là, ne vous inquiétez pas. Fait que. Ouais, juste vous dire que je suis en décalage avec vous. C'est en fin de semaine que j'ai été à Rimouski. Et non la semaine. Fait que, on va revenir à la normale bientôt. Fait que c'est ça. Merci à tous. Passez une belle soirée. Puis à demain. Bye!